Salut mes beaux, salut mes belles, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Merci pour toutes vos belles participations. Et toi qui passes par là pour la première fois, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne rien rater. Alors aujourd'hui, on va parler. Alors mes beaux et mes belles, aujourd'hui on parle d'une plante qui vient d'un pays chaud, une plante exotique qui a beaucoup de bienfaits pour la santé. Cette plante s'appelle l'ougao. Cette plante, c'est un arbre qui a des propriétés antivirales, antibactériennes, antimicrobiennes et antifongiques. Cette plante, les feuilles de l'ougao, est efficace contre l'asthme, contre les piqûres d'insectes, en raison de l'antihistaminique de la plante et les propriétés anaphylactiques. Alors mes beaux et belles, cette plante est efficace pour les problèmes cutanés. Si vous avez des problèmes cutanés, on peut l'utiliser en cataplasme. Cette plante est efficace contre la diarrhée, la dysenterie, contre l'infection urinaire chez les femmes. Pour les femmes qui ont des problèmes de menstruation, ça peut les aider. Pour les gonflements, les abcès, on peut l'utiliser aussi. Cette plante est très efficace pour l'hypertension artérielle en faisant du thé tout en contrôlant la tension avec un tensiomètre. Cette plante est très efficace pour les problèmes de stérilité des hommes. Les hommes doivent se faire du thé. L'homme qui a des problèmes de stérilité doit se faire du thé en raison d'une tasse 3 fois par jour sur 15 jours. Pendant ces 15 jours, il ne faut pas avoir des rapports et attendre l'efficacité de cette plante sur l'organisme. Et puis après, reprendre les rapports. Et puis en attendant, voilà. Et puis, cette plante est très efficace pour l'asthme et très efficace pour les furoncles. Je ne peux pas tout énumérer. Il y a trop d'effets positifs de cette plante. Je vous mets tout dans le bas de la vidéo. Je vous invite à aller regarder. Mais franchement, allez regarder. Ça vous le dit tout. Cette plante est très, très, très efficace. Alors, en attendant, mes beaux et mes belles, prenez soin de vous, partagez sur les réseaux sociaux et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.